Nous passons à la femme. Sasa tunaenda kwa mwanamke. La femme et sa décence. Mwanamke na namna yake ya kuvaa vizuri. La femme et sa décence. Mwanamke na namna yake ya kuvaa vizuri. Slide 60. Pour les gens qui sont avec moi. Kwa wale ambao wako pamoja nami. 1 Timothée 2:9. Timotheo ya kwanza 2:9. Ça y est, ici au tableau, on va aller rapidement. D'accord. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Voici. Suke nywele na kuvaa vitu mikononi, shingoni na vitu kama hivyo na mavazi ya lulu na kadhalika. Mais qu'elle se pare de bonnes œuvres. Lakini waonekane na matendo mazuri. Comme il convient des femmes qui font profession de servir Dieu. Kama vile inavyofaa kwa wanawake wanaokiri kutumikia Mungu. Autre verset. Andiko ingine. Ça c'était 1 Timothée 2:9. Hii ilikuwa ni Timotheo ya kwanza 2:9. Deutéronome 22:5. Kumbukumbu la Torati 22:5. Une femme mwanamke ne portera point un habillement d'homme. Hata vaa mavazi ya mwanaume. Un homme na mwanaume ne portera point de vêtements de femme. Naye hata vaa mavazi ya mwanamke. Car quiconque fait ces choses maana yeyote afanyayo haya est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Ni machukizo kwa Bwana Mungu wake. Je vais aller à un point. Nitaendea nukta moja. Un point. Pointi moja. Habillement de femme. Mivalio ya wanawake. Mavazi de présentation externe. Pili, hali yao ya kuonekana kwa nje. Amen. Moi je ne vais pas y tarder. Mimi sita kawia hapa. Parce que moi nos sœurs sont enseignées là-dessus. Sababu dada zetu wamefundishwa mle. Une chrétienne. Mwanamke mkristo. Ne doit pas porter un pantalon. Hapaswi vaa pantalon. Une fille. Binti mkristo. Une femme. Mwanamke mkristo. Chrétienne. Aliye mkristo. Ne doit pas porter l'habillement d'homme. Hapaswi vaa mavazi ya wanaume. Même si on est en train de vous dire que ce sont des pantalons de femmes, c'est Dieu qui a amené ça ou bien ce sont les hommes qui ont cousu ça pour les femmes. Hata kama wanaoziuzisha watakwambia kwamba hii pantalon ni ya mwanamke, hii ni ya mwanaume. Je, ni Mungu alileta hiyo au ni wanadamu walileta hiyo? Ce sont les gens qui ont cousu les pantalons pour femmes. Ni watu walishona ma pantalons kwa wanawake. Mais naturellement les pantalons c'est pour les hommes. Lakini kwa kawaida ma pantalons ni za wanaume. C'est pourquoi nos femmes ne portent pas de pantalons. Ndio maana wake zetu hawavae suruali. Nos filles ne portent jamais de pantalons. Wabinti wetu hawavai suruali au pantalon. Et il y a un mot qui est ici. Sasa hapa kuna neno. La pudeur. Kwamba c'est un verset biblique. Utamaduni. Kuvaa ya utamaduni. Ndiyo. S'habiller, c'est-à-dire avec décence et pudeur. Eti nguo inayo shuka na ya kuachilia mwili. Tous les juristes qui sont ici. Wanasheria wote walio hapa. Quand on vous dit atteinte à la pudeur. Eti kukosea. Maana yake atteinte à la pudeur ni vitu vya kuonyesha mwili vyenye vinaweza acha mwenye na kuona na jisikilia yeye peke haya. Ndio. La pudeur c'est-à-dire cette sorte de respect ile aina ya adabu qu'une personne a envers l'autre côté façon dont elle se présente. Adabu yenye mtu anaweza kuwa nayo wakati anapoona gisi mwenzake amevaa. Ne pas blesser la conscience de quelqu'un en lui montrant des choses qu'il n'aurait voulu voir. Usichafue dhamiri ya mtu kwa kumuonyesha maungo ya mwili kutokana na mivalio yako. Bienye yeye hangependa hangependa aone. C'est même dans le code pénal. Hata vimeonekana katika mambo ya sheria. Porter atteinte à la pudeur, c'est-à-dire montrer à quelqu'un
kutafuta di corps kuonyesha mtu sehemu za mwili mwili wako na inaharibu dhamiri yake. Alors sasa, une chose que frère Branham est en train de nous dire. Jambo ambalo ndugu Branham iko natueleza. Dans la brochure télé. Katika mafundisho yake msikilizeni. 22 mars 57. Ya tarehe 22 mwezi wa 3 1957. Savez-vous femme? Je, mwajua enyi wanawake. Lorsque vous vous habillez de manière sexy. Ya kwamba mnapovaa namna ya kuonyesha viungo vya mwili. Et que vous allez dans la rue. Na mnapotembea barabarani. Portant ces vieilles robes sales à la Hollywood. Muki vaya hiyo mavazi hiyo makanzu chafu ya mtindo Hollywood. Et que vous sortez là. Na mnapotoka kule. Et qu'un pécheur vous regarde. Wakati mwenye zambi anakutazama. Il pour vous convoiter. Kwa kukutamani. Il a commis adultère avec vous dans son cœur. Amekwisha zini na wewe katika moyo wake. Et au jour du jugement. Na siku ya hukumu. Lorsqu'on lui demandera d'être ou de dévoiler. Lorsqu'on lui demandera d'être, on dévoilera son adultère. Wakati watamwambia na kumwonyesha uzinifu wake. Qui devra rendre compte pour l'avoir poussé à commettre adultère sinon vous, à cause de la manière dont vous vous étiez présenté devant lui? Nani mwenye atasambishwaka kuona alifikishaka mtu muuzini kutokana na mivalio yako mubaya? Retenez donc ça. Sasa mushike ile. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema kwamba. Lorsque vous femmes vous partez mal habillées. Wakati ninyi wanawake mnatoka mumevaa vibaya. D'une façon sexy. Kwa namna inayonyesha viungo vya mwili. Un pécheur vous regarde. Wakati mwenye zambi anapokuona. Et qu'il arrive à vous convoiter. Mukukuona yako anafikia kukutamani. Lui. Yeye. Sera jugé pour adultère. Atahukumiwa sawa mwenye alizini na wewe. Ndani ya moyo. Parce qu'il regardait. Sababu alikuona. Mais ce jour-là. Lakini ile siku ya hukumu. Parce que vous l'avez poussé à vous convoiter. Wewe mwenye uliruhusu akutamani. Par votre habillement. Kwa ile mivalio yako. Vous serez aussi jugé. Na wewe utahukumiwaka. Jésus dit dans Matthieu, quiconque regarde une femme pour la convoiter a Yesu déjà commis adultère avec Yesu elle dans son cœur. Anasema kwamba anayetazama mwanamke na kumtamani amekwisha zini naye. Si quelqu'un te convoite. Kama mtu atakutamani. Sans que cela ne vienne de toi. Bila ile kutokana na wewe. Il est pécheur à sa façon. Yeye ni mwenye zambi kwa namna yake. Mais si c'est ton habillement. Lakini kama amekutamani sababu ya mivalio yako. Tu es responsable au même titre que lui. Una husika sawa sawa na vile yeye anavyohusika. C'est pourquoi nous ndio maana tunakataza yale mavazi. Sur base de ça et de la Bible. Kwa msingi ya hiyo na Biblia. Aux chrétiennes de faire n'importe quelle couture. Kwa Wakristo, wanawake wa Kristo kufanya mishoneo yoyote. Montrer les seins. Kuonyesha maziba. Ça gonfle. Inapovimba. Des habits serrés. Mavazi ya kubana. Des habits en tricot collant. Ma nguo za mipira. Un seul pagne qui ne te convient pas, tu fais comme ça, on regarde la cuisse. Mi valio ya kuvaa kikwembe kimoja unapokata hatua. Et quand le vent est en train de souffler, tu manques la paix, tu commences à te battre avec ça partant dans la route comme ça. Na wakati mpepeo inapita unashindwa gisi ya kukamata kikwembe sababu livala ka kikwembe. Alors tu commences à marcher comme ça. Ndipo unaanza tembea. Une chrétienne. Na unakuwa mkristo. Non. Apana. Allez le faire dans les églises ailleurs. Mwende mfanyo makanisa ingine apana hapa. Nous préparons les gens qui doivent aller au ciel. Tuko natayarisha watu wanaopaswa enda mbinguni. Pas les gens pour aller faire convoiter les gens dans la rue. Haiko wanawake wenye wataenda wakitamanisha watu mubarabara. C'est pourquoi nos sœurs ne portent pas de bras cassés. Ndio maana wadada zetu awavale mabras cassés. Vous faites comme ça. Unapofanya hivi. Vous faites partie visible jusqu'au sein. Sehemu ya huku ndani inaonekana hadi kwenye maziba iko. Non. Hapana. C'est du paganisme. Hiyo ni hali ya kipagani. Donc, ni kwamba habillez-vous décemment. Muvae kwa namna inayoshuka na kuachilia namna inavyofaa. Avec pudeur. Pamoja na adabu. Vous ne pas amener les gens vous convoiter. Musifikishe watu kuwatamani. S'ils vous convoitent sans que vous n'ayez créé ça, ils sont responsables eux-mêmes. Kama watawatamani sababu ya tamaa zao
hukumu ni kwao wenyewe. Parce que ce moment-là, sababu kwa wakati ule, ça ne vous regarde pas. Haikuoni tena wewe dada. Mais les robes serrées. Lakini hizo kanzu za kubana. Des petites vieilles robes serrées. Eti hizo kanzu za zamani za kubana. Et des choses semblables. Na vitu vya kuifanana. Et des hommes les convoitent et les pensent qu'ils ont de la pudeur. Na wanaume wanawatamani wakiwaza kwamba wana adabu. Il se peut que vous n'ayez rien fait de mal, sœur. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Lakini niruhusu nikwambie jambo. Vous êtes un instrument du diable. Wewe uko chombo cha shetani. Et à la barre du jugement. Na kwenye mstari wa hukumu. Ainsi dit le Seigneur. Hii ni asema Bwana. Vous allez répondre d'avoir commis adultère. Utasambaka kuwa ulisharataka. Et votre âme sera perdue. Na nafsi yako itapotea. Qui le dit ici? Nani anayesema hapa? C'est frère Branham. Ni mjumbe Branham. Dans son livre La manière d'un vrai prophète. Katika mafundisho yake namna ya nabii wa kweli. Du 13 mai 1962. Du 13 mai 1962. Ya tarehe 13 mwezi wa 5 1962. Ni kwamba votre fille va faire coudre. Binti wako akienda shonesha nguo. Votre femme va faire coudre. Mke wako akienda shonesha vazi. Mes chers frères, veillez là-dessus. Ndugu zangu, rafiki zangu, mkeshe kwa mishonesheyo ya wake na wabinti zenu. Ok? Je, tunapatana? Nous mettons de l'ordre dans notre église. Tuko naweka utaratibu mkanisa letu. Si vous êtes nouveau. Kama uko mgeni. Ou visiteur. Au ulitutembelea. Supportez-nous. Mutu vumilie. Supportez-nous. Mutu vumilie. Vous avez ce qu'on vous a enseigné là. Muna yale mulifundishwa kule. Nous avons aussi ce que nous enseignons ici. Sisi hapa tuna yenye tunafundisha hapa. C'est pourquoi le message ndio maana ujumbe est venu remettre de l'ordre. Ilikuja kuweka utaratibu. Là où les dénominations ont tout détruit. Kwenye madhehebu waliharibu yote. Le message est venu restaurer. Ujumbe ilikuja kurudisha. Pour mettre tout en ordre. Kwa kuitia yote kwa utaratibu. Parce que nous préparons l'épouse qui doit aller au ciel. Sababu tuko natayarisha bibi harusi mwenye ataenda mbinguni. Alléluia. Amina. Les habits qui montrent les formes de la personne. Mavazi yanayoonyesha maungo ya mwili. C'est pour ça aujourd'hui bien souvent le pécheur est toujours errant. Ndio maana leo wenye zambi wa kibaki wa kitangatanga. Une belle jeune fille va couper sa chevelure. Binti mrembo mzuri atakata nywele zake. Pour être populaire. Ili aonekane na watu. Se peindre le visage pour s'embellir. Anajipodoa kusudi aonekane mzuri. Mettre des vêtements pour montrer les formes de sa personne. Anavaa manguo yenye inaonyesha maungo ya utu wake. C'est parce que c'est tout ce qu'elle peut trouver. Sababu njo vyenye anaweza kapate. Trouver quelque part. Kupata afasi flani. En chercher à trouver quelque chose qui lui revienne quand elle peut inciter des hommes à la siffler, à lui faire signe, à flirter avec elle. Elle porte donc ses habits dans lequel but. Anavala yale mavazi katika shabaha gani? Pour trouver des hommes qui volent. Kusudi, kuwe na wanaume wenye watamupigia masinyo. Ça c'est frère Branham. Uyo ni mjumbe Branham. Donc quand une femme met les habits. Ni kwamba wakati mwanamke anavala mavazi. Montre des formes. Yanayoonyesha maungo yake. C'est une façon de dire aux hommes. Ni namna ya kuita wanaume. Je suis là. Kwamba niko tayari. Je suis là. Mwenye ananihitaji. Signalez-moi. Mwenye ananihitaji akuye. Le marketing du corps. Ni kutangaza kuweka mwili wake kwenye soko. Franchir ce jour-là au calvaire. Ni mafundisho ya nayoitwa siku ile Kalvari. 25 Mei 60 paragraph 55 mwezi wa 9 mwaka 1960. Donc quand vous voyez nos diacres sévères là-bas à l'escalier. Wakati sasa mnapoona washemasi wetu pale kwenye mlango. Ils vous disent sœur rentrez. Wanakuambia dada rudia. Ne vous étonnez pas. Musishangae. OK? OK? Je mnaelewa? Mnaelewa? OK? Sawa. Est-ce qu'on est ensemble? Je, wapendwa tuko pamoja? Cette voix ici.
Hii sauti restera dans l'espace jusqu'au jour du Seigneur. Itabakia muanga mpaka ile siku ya Bwana. Que vous l'aimiez ou non, uipende uikatale. Si j'ai parlé au nom de Dieu, ikiwa nimenena kwa jina la Mungu, vous n'échapperez pas au jugement. Hautaponyokaka kwenye hukumu. Amen. Amina. Alors, sasa, voilà des chrétiennes. Muone wanaojiita wa Kristo. Ça, c'est le slide 72. Chrétienne ou non? Je. Awa ni wanawake wa Kristo au wa pagani? Paul a dit, Paul alisema, ne vous mettez pas des choses de ce genre. Musijiweke ko vitu vya aina hii. Maningi ningi. Ndio. Il en a parlé déjà. Ma, sikio. De ne pas vous mettre des choses d'or sur vous. Kwamba musiweke vitu vya vyuma masikio. C'est le même verset que nous avons lu. Ni ile ile andiko tulioisoma. Des chrétiens. Wanao jita wa Kristo. Quand vous le voyez, unapowatazama, vous vous posez la question. Unajiuliza. Hommes, femmes, chrétiennes, chrétiennes. Je ni waume wanawake wanaoitwa wa Kristo au la? Hein? Kweli kabisa. L'église est sa condition. Katika mafundisho kanisa na hali yake. Vous avez besoin d'un verset, vous prenez Esaïe 3:16. Mukiwa na haja ya verse ya Biblia mkamate Isaïe 3:16. 16 jusqu'au 24, mais je ne lirai pas. 16 verse yake hadi 24. La Bible dit. Biblia iko inaeleza. Que tous ceux qui portent ça. Ya kwamba wote wanaovivalia seront un jour frappés. Alléluia. Siku moja watapigwa. Que leurs têtes seront chaudes. Ya kwamba nywele zao zitakuwa zitaota vipara. Collier de ceinture qu'ils portent, Dieu va leur faire porter des cordes. Kuliko wavae mikaba, Mungu atawavalisha makamba. Et que là où se trouvent les boucles, à leur chevet bouclé, on va leur mettre des têtes chaudes. Eti kwenye wangaliweka vile yao watakuwa na upaa. Vous avez dans la brochure, Église et sa condition, paragraphe 85. Na, ni katika mafundisho yake. Kanisa na hali yake mtajwa 85. Les boucles d'oreilles. Eti vyuma vya masikioni. Et toutes ces choses. Na mambo hayo yote. Cette quantité de bijoux que vous mettez autour du cou. Hiyo mulundiko ya masikio na vile mnavyoweka shingoni mwenu. Ningi. Et à vos oreilles. Na kwenye masikio yenu. J'ai découvert d'où cela provient. Niligundua kwenye vinatoka. Cela vient de païens. Hivyo vyatoka kwa wapagani. Et la Bible ne veut pas qu'un chrétien soit un païen. Na, Biblia haitaki kwamba mwanamke mkristo awe mpagani. Et vous ne voulez pas. Na hamutaki. Je ne dis pas que vous êtes païen parce que vous le faites. Sisemi kwamba muko wapagani sababu mnavifanya. Mais vous en donnez l'apparence. Lakini munaonekana sawa wapagani. C'est parce que votre pasteur ne vous a pas dit la vérité. Ni kwa sababu mchungaji wenu hakuambiaka kweli. La faute c'est à votre pasteur. Kosa ni kwa mchungaji wako. Église à sa condition paragraphe 80. Ni katika mafundisho ya nabii kanisa na hali yake. Il dit même. Anasema hata. Si. Hapa. Et vous les méthodistes ici. Na ninyi wa méthodistes hapa. Avec les bijoux dans le nez. Mukiwa na vyuma mapuani. Maningi ningi mapuani. Uh-huh. Et aux oreilles. Na kwenye masikio. Et vous avez l'air de planter gobe mouche pour le diable. Na munaonekana kama vile ile mimea ya kunasa inzi. Uh-huh. Et vous sortez en portant de kilotes. Na munatoka nje mumevaa makaptura. Et ce genre de choses là. Na kila aina ya mambo yale. Pale. Tous ces bijoux, c'est tous. On a qu'une seule bague. Nawaza pete ilipaswa kuwa moja kidoleni. Pour un mariage. Kwa ajili ya ndoa. Ou bien pour une fiançaille. Au kwa ajili ya uchumba. Mais quand vous mettez 4, 5, 6, 7, 8, sasa, tout ça c'est pour weka pete zaidi ya moja. Ni kwa ajili ya nini? Les chrétiennes n'ont pas cette habitude. Wanawake wa Kristo hawana tabia hii.
Ok? Ça va? La brochure là que je disais des bijoux sur le nez, l'oreille, semence du serpent, paragraphe. Ni katika mafundisho uzao wa nyoka. Je suis là. Niko pale. Niko hapa. Je suis au haut talon. Viatu vyenye visingino virefu. Heureusement, allez chez vous à la maison. Kwanza, mwende nyumbani kwenu. Si vous avez un téléphone, kama unayo simu, avec la connexion, na mtandao uko wazi, allez seulement dans Google. Ingia tu kwenye Google. Cliquez danger de haut talon. Seulement. Gusa fasi kwenye kunaandikwa hatari ya viatu virefu. Danger de haut talon. Hatari ya viatu vyenye visingino virefu. La science sait que science yenyewe, plus vous portez de hauts talons, kadiri unavala kiato kirefu, vous êtes en train de détruire vos jambes. Uko unaharibu miguu yako mwenyewe. Je vais vous projeter une petite vidéo. Nitawaonyesheni filamu video ndogo. Qu'on ne dise pas. Isisemwe kwamba. Ni biabashenzi. Kwamba. Ça c'est pour les gens qui n'ont pas étudié. Eti hii ni ya kwa watu ambao hawakusoma. Non. Hapana. Même maintenant votre science aujourd'hui. Hata science munayo itafuta inasema. Elle reconnaît déjà les dangers des hauts talons. Science yenyewe imehakikisha hatari ya viatu virefu. Et c'est pas moi qui écris ça. Na, on, si, pourquoi les hauts talons. Pourquoi les hauts talons sont-ils dangereux? Kwa nini viatu virefu ni hatari? Voilà. Ni. On y va lentement. Twende sasa pole pole. Angalieni. L'homme est toujours équilibré ici. Hapa mtu iko msimamo mzuri. Quand vous portez un soulier plat comme ça. Unapovaa kiatu chenye kugusa chini vizuri. Vous avez 60 kilos. Ukiwa na bilo makumi sita. Les souliers va vous équilibrer. Viatu vitakuchunga mukilo. Vous avez 25 devant. Utakuwa na bilo makumi mbili na tano mbele. Et 35 derrière. Na makumi tatu na tano nyuma yako. C'est ça la nature de l'homme. C'est ça le bon soulier. Ndivyo viatu vizuri kwa hali ya kweli ya mtu. Maintenant quand vous portez les hauts talons. Sasa unapovaa kiatu kirefu. Unaona? Voilà. Hapa kuna haribika. 76% de votre corps. Makumi saba na sita asilimia ya mwili wako. Va devant. Inaenda mbele. Automatiquement. Papo hapo. L'os ici. Hii mfupa ya mumugu. Devient en danger. Inaingia muhatari. Ça va risquer de se brouiller progressivement. Itaenda pole pole. Parce que un jour. Sababu siku moja. Vous viendrez même avec le cancer des pieds. Itafikia kupata kansa ya mguuni. Parce que plus vous êtes en train de partir comme ça. Kadiri uko naenda hivi. 76% est devant. Bila makumi saba na sita biko mbele. Alors. Sasa. L'os ici est en danger. Hii mfupa ya mumugu iko hatarini. On y va. Twende. On nous dit danger, danger, danger. Hapa wanatangaza hatari. Automatiquement. Papo hapo. Vous avez 45 kilos devant. Unakuwa na bilo makumi ine na tano mbele. 15 derrière. Kumi na tano nyuma. Et voilà les dangers ici dans votre soulier. Ona sasa hatari pale mwa ile kiatu yako. C'est juste que là la science. Haiko kanisa hapa ni science. On n'est pas encore dans les messages. Hatuyafika mu ujumbe. Ne commencez pas à nous amener des requêtes. Je suis malade les pieds. Mahitaji ya kusema muniombe umu mumugulu inauma kumbe viato virefu ndio vimekuletea ile. Oh ma na wewe njuri jiletea hayo. On y va. Twende. Ça va détruire l'os ici, les tibias. C'est déformé des vieux bossus. Itaharibu hii mfupa ya muligoti. Itakuwa kama vile imekuwa na nyonjo. Haut talon. Sababu ya kiato kirefu. Et puis vous allez voir. Munaona? Vous avez vu?
Il était droit comme ça. Alikuwa na nyoroka hivi. Il était droit comme ça. Alikuwa wima hivi. Quand elle porte les hauts talons. Anapovaa kiato kirefu. Vous allez voir comment la colonne vertébrale va. Mutaona gisi mfupa mgongo nayo itagunjama pale pale. Suivez-moi. Mfuate hapa mbele. Unaona? Yeye huyu. Vous allez voir un peu. Mutaona kidogo. Lentement. Pole. Voilà. Munaona. Vous avez vu? Je muliona. On reprend. Tunaanza tena. Yo. Donc ne vous tuez pas lentement. Musiende munajiua ninyi wenyewe. Alors on nous dit, ça, tunambiwa, quand vous portez ça, unapoviva, ça vous transforme directement. Pale, vina kubadilisha. Ça devient rouge, inageuka nyekundu, le cou shingo devient en danger, mufupa shingo et votre colonne vertébrale qui était droite na comme ça, mugongo yenyilikuwa inanyoroka hivi, devient comme ça, inagunjama parce hivi, que vous êtes en train de lutter avec le poids qui est devant. Sababu uko naenda, unapigana na bilo vyenye viko mbele. Demain vous êtes malade. Kesho ukigonjwa. Oh, priez pour moi. Muniombe. Tu as amené toi-même les démons. Wewe mwenyewe ulijikokotea mapepo. Et maintenant, sasa les os des pieds, les deux. Hii mifupa ya mumanono. Vous devenir en danger ici. Nayo itaenda ikiharibika hapa. Voilà. Munaona hapa. Voilà comment nous met danger. Aona namna hivi vidole mbili vinaingia mshida. Parce que plus za sababu zaidi les deux doigts se force pour te maintenir en équilibre. Parce que quand tu veux tomber à gauche, c'est le doigt le premier ici qui. Ni kile kidole cha kwanza kuchunga usianguke. Quand tu veux aller à droite, sasa unataenda kuume. Tu essaies de faire ça. Unajaribu kufanya hivi. C'est pourquoi vous les voyez marcher comme ça. Ndio maana utawaona wako wanatembea hivi. Parce que le poids est amorti là. Sababu, unapokata hatua kilo kinaangukia ngambo. Et amorti là. Na, ina. Maintenant pour se maintenir. Sasa kwa kusudi usianguke. Vous tuez lentement. Munaenda mukiji ua pole pole. Maintenant, sasa, là c'était la science. Pale ilikuwa ni science. Et que dit le message? Sasa, ujumbe nayo unasema nini? On y va. Twende. Et tu ne le sais pas. Katika ujumbe etinawe haujui. 15 août 65. Tarehe 15 mwezi wa 8 samia 65. Mtaji wa 162. Et voilà cette jeune femme qui arrive en se tortillant. Ona sasa huyu mwanamke kijana ambaye iko anajitesa mwenyewe. En Afrika niko na jinyonga nyonga. En marchant sur les chaussures à haut talon. Akitembelea viatu vyenye visingino virefu. Ça dépasse par devant. Inapitia kwa mbele. Et ça dépasse par derrière. Na inaendea kwa nyuma. Et avec une robe qui ne va plus bas, qui ne va pas plus bas que ça au-dessus du genou. Na. Ou un short. Saviez-vous que la Bible a dit qu'elle ferait ça? Na anavaa la jupe ambayo hai funiki hata na magoti. Au captura. Kama unajua kwamba Biblia imekwisha sema kuhusu hiyo. Vous savez? Mwajua? La Bible a dit qu'elle agirait comme ça. Biblia ilianza kusema kwamba angetenda hivyo. Et qu'elle serait impudique à ce point. Na kwamba angelikuwa
Mzinifu kwa hatua hiyo. Mes soeurs, dada zangu, vous voulez acheter vos chaussures? Unataka uza kiatu? Vérifiez-le. Kichunguze. Est-ce qu'elle ne me mettront pas dans les dangers sanitaires? Je, hakita fikia kuharibu afya yangu? Est-ce qu'elles ne vont pas aussi m'amener à marcher difficilement? Je, hakita acha nishindwe kutembea? Et on a dit c'est dans quel verset? Ilisemeka kwamba ni muandiko gani? Esaïe 3:16. Isaya 3 Shairi ya 16 hadi 24. Ça parle même au talon. Inaeleza hata kuhusu viato virefu.